Je voudrais maintenant parler ici de la manière dont on arrive à faire en sorte que l'agave se multiplie. L'agave est un succulent. C'est une plante qui produit de petites pousses à partir de ses racines. Les tiges souterraines de cette plante sont appelées des rhizomes. Dès sa troisième année, ce pied-mère va commencer à se multiplier par ses racines pour former ce que nous appelons des hijuelos, petites pousses. Nous allons donc ramasser ces agaves et les replanter. Ainsi, nous avons en fait une grande diversité génétique. Chaque pied-mère produira une douzaine de petits ou plus. Et quand nous les replantons et les intercalons dans ce champ et dans d'autres, nous obtenons ce mélange intergénétique que nous devons protéger contre les fléaux et les virus. Cela permet de maintenir un champ en bonne santé. Ainsi, nous éliminons continuellement ces petites ramifications et les replantons dans différents champs, à différentes altitudes, différents climats et différents sols. C'est comme cela que nous conservons une grande diversité génétique. Dans ce champ de peut-être 50 000 plantes, nous n'avons aucun virus. Nous n'avons pas d'insectes. Et ceci s'explique par le fait que nous replantons toujours les petits dans des zones différentes. Et tous viennent d'une population diversifiée de plants mères.